Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Zoom sur. Aujourd'hui, on va vous montrer comment configurer le SSO sur ISL Online en utilisant Microsoft Azure. Juste avant de débuter la configuration sur Microsoft Azure, assurez-vous que la fonctionnalité SSO est bien activée sur votre tableau de bord ISL Online. Pour vérifier cela, accédez à votre dashboard, puis dans l'onglet Mon compte, cliquez sur Licence et vérifiez que cette fonctionnalité est bien activée. Ensuite, assurez-vous également que vous ayez un nom de domaine. Si ce n'est pas encore le cas, allez dans le menu de gauche, sélectionnez Utilisateur, puis dans les paramètres du domaine, cliquez sur Changer le nom et mettez le nom du domaine que vous souhaitez. Si vous débutez avec ISL Online pour la première fois et que vous n'avez pas encore créé d'utilisateur, ces derniers seront automatiquement créés lors de leur première connexion via SSO. En revanche, si vous avez déjà créé vos utilisateurs, il faudra exporter la liste des utilisateurs au format CSV en cliquant sur Export to CSV et y ajouter leur adresse mail Microsoft depuis le fichier CSV. Une fois cette opération terminée, envoyez un email à l'éditeur à l'adresse support@islonline.com. Vous devez leur envoyer l'adresse mail de votre compte ISL, votre nom de domaine, votre fournisseur d'identité, en l'occurrence Microsoft Entra ID, ainsi que votre fichier CSV rempli. L'équipe ISL Online effectuera plusieurs contrôles de validation avant de passer aux étapes suivantes. Vous serez contacté pour toute information manquante ou demande supplémentaire. Une fois que vous avez reçu un mail de l'éditeur contenant les URL des points de terminaison du fournisseur de services SAML, gardez-le de côté afin de configurer Microsoft Entra ID. L'objectif étant de créer une application d'entreprise sur Microsoft Entra ID permettant de configurer le SSO et le protocole SAML 2.0. Pour effectuer cette manipulation, rendez-vous sur votre Microsoft Azure avec un compte administrateur. Ensuite, allez dans Microsoft Entra ID, dans l'onglet Applications d'entreprise, cliquez sur Nouvelle application, créez votre propre application, puis donnez le nom de votre application, en l'occurrence ISL Online Cloud, puis cliquez sur l'option Intégrer une autre application que vous ne trouvez pas dans la galerie. Dès que cela est fait, vous pouvez cliquer sur Créer. Dès que cette manipulation est faite, accédez à votre application, sélectionnez Configurer l'authentification unique, puis choisissez la méthode d'authentification SAML. Cliquez ensuite sur Modifier dans la section Configuration SAML de base, puis définissez les champs ci-dessous en utilisant les URL de points de terminaison SAML 2.0 que vous a fourni l'éditeur. Vérifiez les informations et cliquez sur Enregistrer. Dès que cela est fait, cliquez sur Modifier sous la section Attributs et revendications. Lorsqu'un utilisateur se connecte, Microsoft Entra ID va générer un jeton SAML pour ISL Online Cloud contenant des informations spécifiques à cet utilisateur. Un identifiant unique, Name ID, est utilisé pour identifier l'utilisateur de manière précise sur ISL. L'identifiant unique et l'adresse email de l'utilisateur sont des informations obligatoires. Il est également possible d'ajouter des informations supplémentaires telles que le nom complet de l'utilisateur et la liste des groupes auxquels il appartient. Conservez les noms des revendications SAML que vous avez configurées. Vous devrez les inclure dans l'email que vous enverrez plus tard à l'équipe support d'ISL Online. Pour finir, vous devez affecter les utilisateurs à l'application ISL que vous avez créée sur Microsoft Entra ID. Sélectionnez Utilisateur
et groupe dans le panneau de l'application d'entreprise, puis ajoutez les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs qui auront accès à votre application ISL Online Cloud en cliquant sur Ajouter un utilisateur groupe. Petite chose à savoir, si vous avez déjà défini une revendication et attribué à un groupe d'utilisateurs sur votre application SAML, stockez le nom et l'ID de l'objet de tous les groupes d'utilisateurs attribués à l'application. Vous devez ensuite l'envoyer à l'éditeur ISL plus tard. Et voilà, vous avez terminé la configuration de base d'Entra ID. Dès que cela est fait, envoyez un mail à support@islonline.com en fournissant toutes les informations qu'on a vues précédemment et en vous aidant des documentations qui se trouvent dans la description de la vidéo. L'éditeur fera quelques vérifications et dès que cela est fait, vous pouvez maintenant accéder à votre compte ISL en vous connectant via votre compte Microsoft 365. Voilà, c'est terminé pour ce zoom sur. Si vous voulez tester la solution ISL Online, ça se passe dans la description de la vidéo. Toute l'équipe WhatsApp reste à votre disposition si vous avez d'autres questions à nous poser. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour suivre nos prochaines vidéos. Je vous remercie et à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!